cher monsieur, votre lettre vient à peine de me parvenir. Je tiens à vous en remercier pour sa précieuse et large confiance. Je n'entrerai pas dans la manière de vos vers, toute préoccupation critique m'étant étrangère. D'ailleurs, pour saisir une œuvre d'art, rien n'est pire que les mots de la critique. Ils n'aboutissent qu'à des malentendus plus ou moins heureux. Les choses ne sont pas toutes à prendre ou à dire comme on voudrait nous le faire croire. Presque tout ce qui arrive est inexprimable et s'accomplit dans une région que jamais parole n'a foulée. Et plus inexprimables que tout sont les œuvres d'art, ces êtres secrets dont la vie ne finit pas et que côtoie la nôtre, qui passent. Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi, vous l'avez déjà demandé à d'autres. Vous les envoyez à des revues et vous les comparez à d'autres poèmes et vous vous alarmez quand certaines rédactions écartent vos essais poétiques. Désormais, puisque vous m'avez permis de vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout ça. Votre regard est tourné vers le dehors. C'est cela, surtout, que maintenant vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide. Personne. Il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même. Cherchez le besoin qui vous fait écrire. Examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Confessez-vous à vous-même? Mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire? Ceci surtout. Demandez-vous, à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je vraiment contraint d'écrire? Creusez en vous-même vers la plus profonde réponse. Si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front à une aussi grave question par un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusque dans son heure la plus vide, la plus indifférente, doit devenir signe et témoin d'une telle poussée. Alors, approchez de la nature. Essayez de dire comme si vous étiez le premier homme ce que vous voyez, ce que vous vivez, aimez, perdez. N'écrivez pas de poèmes d'amour. Évitez d'abord ces thèmes trop courants, ce sont les plus difficiles. Là où des traditions sûres, parfois brillantes, se présentent en nombre, le poète ne peut livrer son propre moi que dans la maturité de sa force. Fuyez les grands sujets, pour ceux que votre quotidien vous apporte. Dites vos tristesses et vos désirs, les idées qui vous viennent, votre foi en une beauté. Utilisez pour vous exprimer les choses qui vous entourent, les images de vos songes, les objets de vos souvenirs. Dites tout cela avec une sincérité intime, tranquille et humble. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses. Pour le créateur, rien n'est pauvre. Il n'est pas de lieu pauvre. Indifférent. Même si vous étiez dans une prison dont les murs étoufferaient tous les bruits du monde, ne vous resterait-il pas toujours votre enfance? Cette précieuse, cette royale richesse, ce trésor des souvenirs. Tournez là votre esprit.
essayez de remettre à flot de ce vaste passé les impressions coulées. Votre personnalité se fortifiera. Votre solitude se peuplera et vous deviendra comme une demeure aux heures incertaines du jour, fermée au bruit du dehors. Et si de ce retour en vous-même, si de cette plongée dans votre propre monde, des vers vous viennent, alors vous ne songerez pas à demander si ces vers sont bons. Vous ne chercherez pas à intéresser des revues à ces travaux, car vous en jouirez comme d'une possession personnelle qui vous sera chère, comme l'un de vos modes de vie et d'expression. Une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité. C'est la nature de son origine qui la juge. Aussi, cher monsieur, n'ai-je pu vous donner d'autre conseil que celui-ci, entrez en vous-même. Sondez les profondeurs où votre vie prend sa source. C'est là que vous trouverez la réponse à la question « Devez-vous créer ?» De cette réponse, recueillez le son sans en forcer le sens. Il en sortira peut-être que l'art vous appelle. Alors prenez ce destin, portez-le avec son poids et sa grandeur, sans jamais exiger une récompense qui pourrait venir du dehors, car le Créateur doit être tout un univers pour lui-même, tout trouver en lui-même, et dans cette part de la nature à laquelle il s'est joint. Après cette descente en vous-même, dans le solitaire de vous-même, il se pourrait que vous dussiez renoncer à devenir poète. Alors même, cette plongée que je vous demande n'aura pas été vaine. Votre vie lui devra au moins des chemins à elle. Que ces chemins vous soient bons, heureux et larges. Je vous le souhaite plus que je ne saurais le dire. Que pourrais-je ajouter? L'accent me semble mis sur tout ce qui importe. Au fond, je n'ai cherché qu'à vous conseiller de grandir selon votre loi, gravement, sereinement. Vous ne pourriez plus violemment freiner votre évolution qu'en tournant votre regard vers le dehors, qu'en cherchant au dehors une réponse que seul votre sentiment le plus intime, à l'heure la plus silencieuse, saura peut-être vous donner. Je vous rends les vers que vous m'avez aimablement confiés, et vous dites encore merci pour l'ampleur et la cordialité de votre confiance. Par cette réponse sincère, écrite du mieux que j'ai su, j'ai cherché à en être un peu plus digne que ne l'est réellement cet homme que vous ne connaissez pas. Dévouement et sympathie. Rainer Maria Rilke. Extrait d'une lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Paris, le 17 février 1903.